Bonjour. Aujourd'hui, on est le dimanche 20 août. C'est donc la deuxième ronde pour les Open et les quarts de finale qui commencent pour les nationaux. Moi, je m'appelle Julie Collin. Je suis arbitre depuis quelques années. Là, j'arbitre l'Open C à l'Alpe d'Huez au championnat de France. Quand on est arbitre au championnat de France comme sur d'autres tournois, on veille à ce que le tournoi se déroule bien pour les joueurs. On veille aussi à ce qu'il n'y ait pas trop de bruit, donc on fait taire les spectateurs. On a aussi toute une mission pour éviter de la triche. Donc on vérifie qu'ils n'aient pas de téléphone portable sur eux, pas de montre. On regarde ce qu'ils ont aux oreilles, s'ils ont des boucliers, si c'est pas des écouteurs. On vérifie un peu leur déplacement, est-ce qu'ils vont aller se perdre dans les toilettes, est-ce qu'ils parlent beaucoup, qu'est-ce qu'ils font. Et sinon, la mission, c'est aussi de surveiller l'échiquier et ce qui se passe dessus. Donc là, sur la plupart des autres, on a des joueurs qui sont plutôt expérimentés. Donc on n'a pas de coups illégaux. Les coups illégaux, c'est quand ils font un coup qu'ils n'ont pas le droit de faire. Donc s'ils se laissent en échec, s'ils ne déplacent pas une pièce sur les bonnes cases. Donc là, dans ces cas-là, on va intervenir. En tant qu'arbitre principal d'un tournoi, on s'occupe aussi de dire qui joue contre qui, en fait. Donc pour ça, on a un logiciel d'appareillement qui s'occupe de ça. Et donc nous, on saisit les résultats de chaque partie. Et ensuite, ça va nous dire qui joue contre qui en fonction des points, des couleurs. On a un travail de vérification aussi pour vérifier que ce qui est produit par le logiciel est cohérent. Et après ça, on affiche tous les résultats, on les publie en ligne pour que les joueurs puissent se préparer pour la ronde du lendemain. D'ailleurs, si l'arbitrage vous intéresse, comme sur tous les championnats, on a des stages le matin. Donc cette semaine, c'est une formation continue et un stage à ESP. Donc c'est plus pour des arbitres expérimentés. Mais vous pouvez contacter vos DRA pour avoir un stage dans vos régions. Bonjour. Bonjour, moi je suis Vincent Schmitt, ça fait 20 ans que je joue aux échecs, je suis classé à peu près 2200 points Elo. Bonjour, et moi c'est Antoine Bournel, maître international et membre de l'échec échelonnais. Alors on fait l'open accession pour les plus de 2200 et on a joué ensemble aujourd'hui et la partie attendue, le choc. Ouais, mais ça s'est très mal passé pour moi malheureusement. Perdu assez rapidement on va dire. Alors moi j'aime beaucoup l'Alpe d'Huez, en général j'aime bien les tournois dans les montagnes parce que bah, il fait bon et puis on peut aller marcher et puis il y a pas mal d'activités donc j'essaie d'aller à la piscine, faire un peu de sport donc ouais, la montagne c'est sympa. Ouais, c'est un bon endroit franchement. Moi je marchais de temps en temps, je montais au-dessus de la station, j'ai pu voir toute la station et tout, c'est des belles vues. Ouais, c'est bien de faire les tournois dans les montagnes. Ouais. Et il fait pas trop chaud dans la salle, des fois il y a eu certains championnats de France. Je m'appelle Vassil Bernard-Winter, ça fait 13 ans que je fais des échecs. Là j'avais arrêté les échecs depuis un moment à cause de ma prépa et là l'Alpe d'Huez c'est le tournoi de ma reprise. Moi je m'appelle Maureen Thomas, ça fait 10 ans que je joue aux échecs. J'ai commencé dans un club à Savignac et maintenant je joue à Brive. Alors moi donc je fais l'Open B et... Moi je fais l'Open Z. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait des échecs, plus de 3 ans, j'avais même déjà un peu arrêté avant. Et donc là c'est ma première partie longue, enfin hier c'était ma première partie longue depuis vraiment une longue période. Et en fait j'ai l'impression que ma prépa m'a vraiment appris à me concentrer sur la durée et j'ai gagné en maturité. Et donc en fait j'ai fait une paire, j'ai battu un 1950 hier alors que moi je suis 1825. Donc j'étais plutôt content et la partie d'aujourd'hui par contre j'ai perdu, j'ai problème dans l'ouverture, voilà, ça arrive. Voilà. Du coup moi hier j'ai joué table 3 contre le 3ème elo du tournoi et j'étais censée faire nul sauf que j'ai perdu. En fait j'ai fait une erreur à la fin. On a analysé la partie. Ouais, ouais voilà et aujourd'hui j'ai gagné. Je sais bien passer, ça va. On verra bien les prochains jours.